Allez, allez, de retour les filles. Allez, rentrée du week-end. Elle m'a dit, est-ce que demain mon chéri peut venir à l'anniversaire? Je dis, bien sûr. Du coup, on aura le copain Maria qui sera là demain. Pour Calice. Il y a le copain Maria qui va venir demain pour ton anniversaire. Fais un bisou à Maria, vite. C'est ma sauveuse de ballon. I say Maria is more difficult ballon. Voilà. You are the best, my Maria. Ah, on entend tous les filles comme ça demain. Il n'y a pas de stress. Vous savez, moi je suis stressée lors des événements et tout. Demain, il n'y a pas de stress. En plus, demain, je rencontre le copain Maria. Hâte. Alors, pour demain, ce que j'ai préparé, mes poupettes. Donc, ça, salade tomate pour les mini burgers et un peu pour le barbecue. Ça, c'est une farce tomate, cornichon, thon, mayo, œuf pour. Petit sandwich au pain de mie que je vais faire pour le buffet. Ça, c'est de la viande hachée que j'ai fait mariner, pas trop, parce que ça va aller aussi dans les mini-burgers. Donc pour les mini-burgers, un peu pour le barbecue. Ça, c'est la farce à pizza. Ça, c'est des briques qui sont faites, j'aurais plus qu'à les faire cuire demain. Ça, c'est des petits oignons caramélisés pour les burgers. Et il y a au frigo où j'ai reçu toute la viande du barbecue. Voilà. Comme ça, donc demain, j'aurai juste à remplir mes sandwichs, j'aurai juste à garnir mes pizzas, les mettre au four, j'aurai juste à cuire mes briques. Et voilà, c'est monter mes burgers. Ça va aller hyper vite, au moins, j'ai tout préparé. J'en ai carrément oublié mon repas de ce soir. Du coup, ce soir, omelette, j'ai mis un reste de pommes de terre, des oignons aussi, que j'ai fait tout à l'heure, avec des pâtes. J'ai pas le temps. Depuis tout à l'heure, je suis en cuisine. Du coup, je leur ai fait une sorte de tortilla, enfin, un reste quoi, un reste d'omelette avec des œufs, pommes de terre, etc. Hop. Voilà. Ça va être excellent avec des pâtes. Je veux pas de dispute, ok? Des pâtes, oui. Ok, vous avez compris, ma chérie. T'as compris, t'es un peu plus grande. Oui. Je veux plus grand, je veux pas que tu te disputes avec ton frère. Je veux que ton frère, ça reste ton frère d'amour et tout, ok? Calice, quand il va se réveiller demain, il aura 2 ans. Oui. Moi. Oh, montre. Allez, va dormir, ma fille. Montre tes coloriages, ma princesse. Je veux voir si je suis fière de toi aussi. Oh, Calice, quand il va se réveiller de 2 ans. T'es fatiguée, t'es fatiguée? Vas-y, arrange-toi. Arrange-toi, j'arrive. Toi, tu veux pas que je grandisse? Ah non. On veut pas que tu grandisses, ma fille. Oui. C'est pas juste. Oui. Bah, ça grandit. Oui. Maman. Oui. Oui, mais je suis contente, t'inquiète pas. Je t'aime, ma vie. Oui. Tu m'aimes? J'arrête? Oui. Ok. Tu m'aimes? Oui. Il faut que tu me dises je t'aime, maman. Et j'arrête. Si tu me dis je t'aime, maman. Arrête. Et dis-moi je t'aime, maman. Comment? T'as dit le problème, c'est que je veux pas que tu grandisses. Oui. Et pourquoi je veux pas que tu grandisses? Parce que je veux que tu restes mon bébé toute la vie, mon amour. Ah, ok. Ça te dérange pas de rester bébé, s'il te plaît? Tu peux garder 3 ans? Comment ça, non? Calice, c'est bon, c'est pas ton anniversaire demain, t'as 1 an. Non. T'as quel âge? C'est ça. Oh non, 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 non. Oh non, c'est trop dur pour moi. Yeah. Non, mon amour, je t'aime trop. Et moi, on va aller à l'école quand on va sortir l'anniversaire. Quoi. En fait, quand tu vas sortir de l'école, ce sera l'anniversaire à Calice. Demain. Ouais, oui, mais oh, attendez-moi. Bien sûr qu'on t'attend, bien sûr qu'on t'attend. Bien sûr on t'attend, mon amour. Attends. Comment ça interdit? On attend passer Anna? Attends, qui? Ah si, elle a le droit de venir, hein. Salam alaikum, wa rahmatullah. Soukaina, j'espère que tu vas bien. J'espère que Kenza va bien aussi. Je voulais te dire, du coup, faire un petit point par rapport à la collab. Enfin, on avait déjà fait le point, mais pour te dire, il y a des commandes qui tombent encore. C'est incroyable. Je crois que maintenant, il y a 730 ou 740 codes. C'est juste incroyable. On n'en revient pas. Pour une pub sur Insta, franchement, excellent. Alhamdoulilah, franchement, on est très très contents. On espère pouvoir collaborer très longtemps ensemble. C'est top ce qui se passe.
Voilà. Super ce que vous faites, c'est très très bien. Ouais, c'est génial. Alors, encore un petit peu. Ouais, encore un chouïa. Ça. Ouais. Je me permets, madame. Oui. Encore un tout petit peu. Voilà, soufflez votre air, détendez. La tête, elle est sortie. Cliquez. Vous avez vu à la naissance? Je garde des souvenirs, je les garde. J'ai trop souffert, mais je... Oh. Elle est mon fils, elle est Calice, elle est mon amour. T'es le dernier, t'es la dernière souffrance de mon chemin cette année. Après, on n'aura que du bonheur. Je t'aime, mon fils. Je vais m'en vendre la dernière fois. Allez hop, comme d'hab, quand je suis allée, chaque anniversaire c'est la même chose. Mon fils il a 2 ans. C'est quoi qui m'énerve le plus chez moi? C'est que je dis tout le temps, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Et à chaque fois, quand ils grandissent, je sais pas si c'est toutes les moments, mais j'ai ce besoin de répondre pour aller mieux. Je sais pas, je veux pas que mes bébés grandissent, je veux qu'ils restent des bébés toute leur vie. Mon amour, il a 2 ans. 2 ans, les filles parlent et tout, ils ont lui la couche et tout. Pourquoi? Pourquoi? La maternité, c'est la meilleure période d'une vie. L'allaitement, la maternité, c'est magnifique. Quand ils sont bébés et tout. Il a 48 ans, le gamin, il va à l'école. Ah non, c'est trop dur. Désolée. C'est un drame, enfin, c'est alhamdoulilah, mais c'était trop dur à accepter, désolée. Bah, Loulou, c'est toute ma vie, mon amour. Les enfants, en général, c'est toute ma vie. Après qu'Alice ait en vécu, donc c'est encore plus. Comment dire, plus dur de penser à son anniversaire et tout. Parce que j'ai pensé une certaine fois dans ma vie, les poupettes qui savent, on va pas se remémorer le passé, les mauvaises choses. J'ai déjà pensé au fait que je le verrais pas pour ses 2 ans, au fait que je le verrais pas pour la suite de sa vie, donc. Autant vous dire que là, le fait qu'il soit avec moi, et que demain, c'est moi qui vais préparer son buffet. Mon fils, il a 2 ans. C'est quoi ça? Faire des gosses pour pleurer à leur anniversaire, c'est ça être une mère.
Oh là là, c'est trop bien, mais papa, désolée. Calice, il a 2 ans, désolée. Non, demain, il va l'appeler ça là. Longue vie, mon petit bébé, on t'aime à la folie, 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 folie. Joyeux anniversaire, Calice. Joyeux anniversaire, Calice. Joyeux anniversaire, Calice. Longue vie, mon petit bébé, longue vie. On t'aime à la folie. On t'aime fort, fort. À la réloi, le foufou Calice. Ça n'a rien le foufou Calice. Ça n'a rien le foufou Calice. Ça n'a rien Calice. Fais souffler vite, souffle, bouge, souffle. On t'aime. Ouais, on peut appeler Calice. Ouais, Calice. Ouais, je suis trop contente. Je me suis réveillée, j'ai eu plein de messages de vous, plein de messages de mes proches, de ma famille, de tout le monde. C'est une trop belle journée. Regardez ma tête, je suis heureuse là. C'est une belle journée qui s'annonce. On va faire une magnifique fête à mon fils. Là, il est parti au parc, à la playroom, là. Et on dirait qu'il veut pas qu'on lui dise joyeux anniversaire. Genre, quand on lui disait, il est timide, il part comme ça et tout. Il dit, ouais, ouais, je dis joyeux anniversaire, ma vie, longue vie et tout. Je le mange, je le mange. Du coup, là, chez nous, il est encore tôt, il est 9h et tout. Tant que je prépare tout et tout, les filles, ça va commencer à 16h30. Donc, c'est pas maintenant du tout, mais je suis déjà pressée. Là, j'ai déjà envie d'aller poser mes pizzas et tout. Je suis déjà pressée. Mais c'est pas maintenant, faut que j'attende. Donc, je vais m'occuper comme je peux, mais je suis tellement excitée que je pense qu'à ça. Et encore, merci pour tous vos messages. Merci à tous mes proches. Merci à toutes les marques qui ont pensé à mon fils. Merci à tous avec qui je travaille qui ont pensé à mon bébé. Et je suis trop contente. Je suis trop, trop heureuse. Et j'ai hâte qu'ils découvrent ces cadeaux et tout. Poupette, j'ai une super incroyable nouvelle que je peux vous partager. Carrément, je suis émue. Jamais, j'ai jamais fait l'enregistrement. Je suis tellement émue de ce que je vais vous dire. Wallah, ce matin, je me réveille le jour de l'anniversaire de mon fils. J'ai réussi à télécharger Snap. Ils m'ont envoyé toutes mes données depuis que j'ai mon compte. Parce que tellement je snappais dans ma vie, je prenais pas de photos dans la vraie vie. Donc c'est Anna bébé, je l'avais que sur Snap. À sa naissance, les vidéos de naissance, je l'ai que sur Snap. J'avais tout que sur Snap. J'ai ma vie sur mon Snap. Et du coup, quand je vais aller m'acheter un ordinateur parce que j'ai plus de stockage pour télécharger. Et je revois des souvenirs et tout. Et j'ai récupéré toute ma vie. Merci Snap pour ça au moins. Vous m'avez laissé mes souvenirs, merci. Donc je suis super, super contente les filles. Franchement là c'est une journée qui va s'annoncer magnifique. Donc là j'ai récupéré toutes mes données. Ça veut dire j'ai tout. Voilà, j'ai toute la naissance de mes enfants. Tous les snaps que je vous mettais, les souvenirs. Moi c'est trop important pour moi les trucs comme ça. Trop important. Alors du coup, mes poupettes, je vous ai pas montré, l'anniversaire, elle aura lieu où? Il aura lieu dans mon jardin ici. En fait, la piscine, elle est juste là-bas. Le barbecue, il est là-bas, rappelez-vous, l'autre fois. On a fait barbecue là-bas, en fait, comme ça, c'est plus pratique. Et en fait, pour éviter de faire au parc devant tous les enfants, les pauvres qui se voient pas conviés et tout, on fait dans un lieu ici hyper intimiste, il y a vraiment personne. Du coup, ici, il y aura le petit buffet et tout. Et ici, on va mettre la petite table pour les enfants et tout, voilà. Et ça aura lieu ici. Comme ça, après, ça se finit en barbecue là-bas. Et voilà, ça va être génial. Voilà, le barbecue, il est juste là, regardez. On l'avait fait l'autre fois. Et ici, bah voilà, au moins il n'y a personne, regardez. À part les gens qui habitent là, il n'y a personne. Faut que j'aille acheter une baffe de musique. Et on va se poser là avec notre petite table et tout. Donc nous, les filles, on a le droit de prendre les tables là-bas. En fait, dans les lieux communs, il y a des pièces, ça s'appelle Event Place et tout. En gros, c'est des pièces d'anniversaire et tout. Tu peux te servir en table et tout, en chaise et tout. C'est magnifique ça. Trop contente. Je ne suis pas coiffée, mais on passe par l'autre côté, par l'entrée. Bah c'est plus simple. Il va nous voir au moins. Ah ok. Du coup, mes poupettes, pour le buffet, je vais prendre une table rectangulaire comme ça pour
poser de buffet, c'est parfait ça, avec une belle nappe blanche au-dessus. Et pour les invités, je vais prendre, pour qu'ils puissent manger, je vais prendre deux tables noires comme ça. Et je vais mettre une nappe aussi, je vais les coller, je vais mettre une nappe. Et voilà. Et les belles chaises noires et blanches dans le thème et tout, trop beau. Premier cadeau pour mon fils. C'est quoi? Une voiture. Oh, t'es content? Elle est belle. T'es content, mon amour? Allez, joue avec. How old are you? 2 years. 2 years? Show me with your hand. Two. Yes. Allez, mon amour. Oh, c'est qui? Allez, descends le toboggan vite. Ouais. J'ai une réunion, les filles. Vous savez, j'ai pris un peu de farce à pizza d'hier, ça sert. J'ai mis des pâtes qui me restaient hier, je mange. Là, c'est le calme avant la tempête. Au pot, temps calme. J'ai fait la sieste à mon fils, il est en train de dormir. Je lui ai donné son repas, il a mangé. Là, chez nous, il est 12h30. Le temps que je mange, que je fasse la réunion vite fait. Ensuite, ça y est, je vais commencer les cuissons, des briques, des pizzas, monter les hamburgers et tout. Je vais tout laisser au four que ce soit chaud. Et après, je vais descendre faire la déco. C'est à ma finie à 14h30, donc dans 2h. L'anniversaire est prévu pour 16h30. Je voulais aussi aller acheter des ballons à l'hélium pour que ça fasse un peu de hauteur. Vu que j'ai pas d'arche pour mettre les ballons et tout, je vais les mettre que sur les tables et tout. Mais je voulais un truc, genre un peu. Du coup, je me suis dit des ballons à l'hélium, Happy Birthday, juste qu'au moins il y a des trucs en l'air, quoi. Vous savez, les ballons qu'on accroche avec un point en bas. Ça, et voilà. Et après, c'est bon, j'ai trop hâte, j'y aide pour mon fils, j'ai hâte qu'il découpe ses cadeaux. Et j'ai hâte que tout soit. Désolée mes poupettes, j'étais en call professionnel, donc je vous annonce officiellement, Inch'Allah, officielle, la sortie de mon projet dimanche. Du coup là j'étais en train de faire les derniers réglages. Bon bah c'est parti, avec Maria, on va essayer dans la cuisine. Maria, oh, mon amour, mon joyeux anniversaire encore ma vie, c'est encore ton anniversaire. Oh mon amour, c'est horrible de l'assiette. Et je prépare tout, tu veux t'asseoir? Oui, ok, tu veux quoi, une fraise? Je te donne une fraise? Oui. Ok, Maria, you can wash your money. Ok, Maria va te la laver, ok. C'est qui va se régaler? Le gâteau, il arrive. Happy birthday to you. Non, oh. Tiens. T'as vu, votre bonheur? Tu t'as pas ici, tu voulais faire tes pizzas ou pas? Ouais. T'es prêt? Allez, vas-y, tu vas tout regarder. Tu vas regarder maman qui prépare tout avec amour pour toi. Attends, mon amour, ma pâte feuilletée, s'il te plaît, ne l'écrase pas. On met tout ça là. Tout
moi les filles, je suis en train de faire des petits sandwichs autour, là, que je vais couper en et comme ça. Comme ça, ça fait des tout petits, des ambiances sans entier. Les pizzas aussi, regardez, presque fini, trop bien. Je crois que mon amour est parti, ces filles, c'est la première fois que je fais des pizzas aussi belles, je vous jure, trop belles. Trop belles. Trop contente. Burger, hop. On a fait les pains mignons, on les a coupés, vous savez, en tout petits sandwichs comme ça, en mode festin. Ensuite, on a fait les pizzas. Voilà. Parfait, c'est Maria qui filme. Les pains, les petits trucs burger. Il manquera plus que les briques à frire. It's okay, my Maria. Thank you. C'est trop mignon, les filles. Je suis trop contente de m'être bien avancée. Trop bien. Actuellement en train de préparer un petit cocktail, mes poupettes. Donc je vais faire un strawberry mojito avec un peu d'alcool pour les invités. Parce que non, je... non, virgin mojito. Donc voilà. Ce que je mets, les filles, c'est que je mets une petite purée de fraises avec un peu de sucre au fond. Voilà, je vais vite fait finir le reste donc avec mon Sprite. Voilà. Ensuite, je viens mettre ma menthe que j'ai lavée juste avant. Dedans. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens nous mettre des petits morceaux de fraises préalablement coupés pour apporter un peu de matière. Voilà. Très important, les petits morceaux de fraises. Et ensuite, je viens vider notre petit Sprite à l'intérieur. Sachez que de base, c'est un vase, hein, les filles. De base, c'est un vase à fleurs et ça s'est terminé comme ça. Je sais pas ce que vous pensez de ma présentation en fait, mais j'ai trouvé ça comme assiette. Du coup, en gros, je mets petite pizza, petit sandwich, petit burger, et là, je vais mettre les briques. Voilà, et je vais en faire plusieurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... j'ai fait un mix. Il n'y aura plus qu'à mettre les briques, les filles, et à fermer. Et du cheddar aussi fermé. Voilà, j'ai fait quelques assiettes comme ça et quelques assiettes comme ça. Voilà, le chariot de déco est prêt. Heureusement que j'ai ma copine d'amour qui est là pour moi, qui m'aide. Hein, parce que les filles, sachez qu'on n'a même pas demandé l'autorisation à l'immeuble pour cela. Là, quand ils vont nous débarquer avec les tuches pour l'anniversaire, vous allez voir ce qu'ils vont. Oh purée, ça commence mal. Les filles, on est en train de transporter les tables avec Amel là. Quand la sécurité vont se rendre compte de la supercherie. Et bon, ils vont. Qui nous regarde? Ah, ils nous regardent déjà. Déjà, j'ai pas prévenu l'immeuble, j'allais faire un anniversaire. On passe par où? On devait par là. Ils vont tout exploser, les filles. Vous allez voir, préparez-vous. Ils nous regardent. Vous savez, là, ils ont déjà appelé tout le service Dubaï Police et tout, tu vas voir. Ils vont venir nous soulever. Help me! Help! Nous sommes en train d'installer le plan, les filles. Je me dis quand c'est bon. Le gâteau il est là, je suis trop contente. Je me prépare. Okay. Je transpire mes poupettes, je me lave là vite fait. Mes poupettes, je voulais vous dire quoi. Je vais mettre un robe que j'avais dit d'Animette de chez Appart et Delta. Voilà. Magnifique, avec des petits pardons trop belles. Magnifique, magnifique, je l'aime trop.
la noire là. Je me fais un petit make-up, c'est le magnétique. La totale, et ensuite il manquera plus. J'ai trouvé du scotch pour accrocher tous les ballons et après je vais mettre la déco finale. J'ai réussi. Les poupettes, waouh, c'est bon, j'ai mis ma robe, je suis trop belle dedans. J'ai même pas mis de soutif. Hop, elle est trop trop belle, je suis trop contente. Donc là, je me fais un petit make-up en 2 secondes. 2 secondes, de toute façon, moi ce qui me va bien, c'est naturel. Je vais rien faire, je vais mettre un peu de poudre. Alhamdoulilah, j'ai une belle peau. Alhamdoulilah, j'ai un beau teint. Là, mes potes, j'ai besoin de rien mettre. Ça, je vais juste bien retaper mes cheveux, mettre des petits bijoux, ça va le faire. Calice, il est hyper excité, il fait que crier, sauter, il peut pas se coiffer, il est content parce qu'il sait que tout le monde est là pour lui aujourd'hui. Du coup, il fait son Johnny. Voilà. Ah, je suis trop contente, c'est moi qui ai préparé l'anniversaire de mon fils et tout. Franchement, les filles, je suis trop fière de moi. Magnifique journée. Les sourcils, j'ai un peu trop éclairci, je vais mettre un petit coup de crayon, je pense. Juste un petit coup de crayon foncé, histoire de... Parce que c'est vrai que j'ai un peu éclairci, mais bon. Léger. Il chouine pour rien alors que c'est son anniversaire. Il devrait être content, mon bébé. Faut voir le make-up que je suis en train de taper là. Et là, les make-up artistes en sueur. Le principal, c'est qu'au final, ça fasse beau, mais pourquoi je m'en fous. Le principal, c'est qu'au final, ça fasse joli. Ça fasse bronzé, ça fasse bien. J'ai fini. Je sais même pas ce que je fais. Mes lèvres, les filles, j'ai envie de mettre du nude. J'ai pas envie de mettre du rosé là. J'ai envie de mettre du nude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du nude. Et maintenant, il faut que je retrouve mon crayon crève. Je sais pas, je vais mettre quoi. Non, on va mettre du rouge, vous avez raison. J'ai très chaud. J'ai très très chaud, je n'aime pas avoir chaud comme ça. Je vais mettre un peu de pimpant. Ouais. Parfait. Voilà. On va mettre un peu de blush. Les boucles d'oreilles. Ma montre. Oh, j'ai envie de mettre les fils. J'ai envie de mettre un collier avec les initiales de mes enfants. Tiens, j'ai envie de mettre Calice, il a l'honneur aujourd'hui. J'ai pas. Faut que quelqu'un me le mette par contre. Alors, est-ce que j'en ai un que Calice? Ouais. J'en ai un que Calice, mon fils. Mettre ça. Je sais pas si je vais réussir à le mettre sur l'eau, je pense pas. Impossible. Impossible. Si je le mets, c'est que là, j'ai une chance de fou. Non, impossible. Mais bref, ça va donner ça. Ok, je vais appeler Margie, elle va le mettre. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille, j'hésite à mettre des grosses comme ça. Non. Elle me saoule, elle font toc, je les aime pas. Mettez-la. Hop là. Hop là. Hop là. Ils sont morts. Hein. De quoi? Les chocolats que t'as posés, c'est mort. Mais n'importe quoi, je viens de les poser là tout de suite. Ils ont rien. Ça fait 20 minutes et c'est à l'ombre. Non, et, si ça... et tout est à l'ombre. Non, mais même si c'est à l'ombre. C'est pas grave, même s'il les... même si les mange mou, ça change quoi? J'ai tout préparé là. C'est bon, je suis motivée. Je suis motivée pour mon fils, c'est bon, faut me laisser là. Mon brushing, il est magnifique. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait chez Mehmet. Pour qu'il tienne bien pour le lendemain, les filles. Pour ce genre de choses. Voilà. Même pas eu besoin de le retaper. Il est pas top. Je le démêle juste un peu. Je vais peut-être mettre un peu de sérum, c'est tout. Mais c'est léger, quoi. Hop là. Hop là. Hop là. Ça, ensuite. Tu te montres. Mais c'est bon, hein. C'est un anniversaire, mais en fait, j'aurais bien mis mon petit nœud, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faut que je sache le mettre. Papa, d'abord, ouais, papa, non, c'est pas tu sais le procréer le gâteau avec Alice? Quoi? Déjà. Et voilà, mes poupettes, je les ai mis. Tout le monde derrière, ce que ça donne. Voilà. Je sais pas si vous me trouvez jolie, mais c'est bon, je suis prête. Je vais installer le gâteau, ouais, tu vas te calmer, les bonbons. Non, je me calme pas, c'est l'anniversaire à mon fils. Et alors, t'es excité. Calme, non, je me calme pas. Hop là. Oh là là, qu'est-ce qu'il a lui encore là?